Alors bonsoir à tous, ce soir je vais vous raconter une histoire. Et cette histoire, c'est celle que j'ai vécue avec deux de mes amis, Julien et Guillaume. Alors faut que je vous explique, tout part d'un délire entre potes, organiser des voyages surprises à l'occasion de nos anniversaires, dont l'un d'entre nous ne connaît ni la destination, ni l'organisation. Et cette fois-ci, Guillaume sera notre victime. Chaque été, nous partons faire des festivals de musique, la première fois dans le public, la seconde en bénévole. Est-ce que vous devinez la suite? Pourquoi pas tenter en tant qu'artiste? L'un comme l'autre à fond dans le bluff, Julien me dit « On pourrait jouer dans la rue. » Ouais, ouais. Ou alors jouer dans un bar. Ouais, ouais. Et c'est à ce moment-là que Julien me dit « Et pourquoi pas le plus grand festival d'Europe, le Sziget à Budapest ?» Mon sang ne fait qu'un tour. Nous tournons une vidéo et nous l'envoyons 5 minutes avant la fin des inscriptions et plus rien. Un mois, deux mois, je commence à perdre espoir. Et puis un beau matin, Julien m'appelle. Allô ? Léo, prépare tes affaires, accorde ta guitare, nous partons pour Budapest. Et oui, nous partirons 3 semaines à faire le tour d'Europe en interrail pour arriver jusqu'à notre destination finale. Mais j'ai oublié de vous préciser un tout petit détail. Julien et Guillaume étaient en concours jusqu'à la veille du départ. Nous n'aurons en fait que le temps du voyage pour préparer notre concert en répétant dans les trains, dans les rues des villes ou même sur les places ou même dans le métro. Autant dire que j'étais un petit peu stressé. Départ 8h à la gare de Toulouse. Fin du voyage 8h05. Guillaume, billet oublié, reste à quai. Nous arrivons même à convaincre de monter dans le train pour commencer à répéter nos morceaux. Mais ce qui devait arriver arriva et le contrôleur trouva notre cachette. Guillaume, comptant soigneusement l'argent qu'il y aurait dans son porte-monnaie, rend les armes. Mais la magie du voyage opéra. Le contrôleur fan de musique nous demandera de jouer 1, 2 ou 3 morceaux dans la cafétéria du train pour payer notre amende. Venez applaudir un groupe de jeunes français en direction pour Budapest. Et voilà comment après 1 heure de répétition nous avons fait notre premier concert. Je profite de ce soir pour passer un message. Si la personne qui nous a filmé dans la salle ce soir, j'aimerais qu'elle supprime cette vidéo car je peux vous assurer que c'est un massacre. Après quelques jours passés à Amsterdam, nous voilà arrivés à Berlin. On m'avait dit, Léo, tu verras, Berlin c'est super. Il y a des gens en pagaille, de la musique de malade et une ambiance de folie. On a passé 4 heures à marcher sans croiser âme qui vive. Et je me suis rendu compte qu'en fait Berlin faisait 8 fois la taille de Paris. Et quand on ne sait pas où aller, le temps peut sembler très long. Promis demain, j'organise un peu mieux. Nous voilà partis pour faire les touristes, la porte de Brandebourg, le mur de Berlin. Et puis nous avons voulu aller plus loin, tenter l'expérience underground de la ville en rentrant dans un squat. Entre pieds de cannabis et maisons en tôle, nous découvrirons au milieu d'un petit bosquet 3 sièges, un feu encore fumant et une cabane en bois, l'occasion parfaite de s'asseoir pour jouer un peu de musique. Interpellé par le bruit, le propriétaire de l'île n'a pas tardé à se montrer. Au début un peu agressif, et puis une fois la carapace percée, très humain. C'était l'une des plus belles rencontres de notre voyage, et en guise de remerciement, nous lui offrons notre guitare pour qu'il y grave un mot ou un dessin de son choix, et dorénavant, chaque personne marquante de la suite du voyage fera de même. Prague, ville vivante, ville festive et ville de partage. Les rencontres sur place y sont aussi très intenses, et pour ne rien vous cacher, la bière étant moins chère que l'eau, ça aide à parler la langue de Kafka. Nous ne sommes pas du tout au point, et les gens nous font bien savoir en ignorant totalement notre performance dans le métro, même pas de quoi se payer un verre. Il ne reste que quelques jours, la pression monte. Nous voilà arrivés à notre dernière étape, la Slovénie, Ljubljana. Tradition locale, nous laissons nos chaussures accrochées à un fil. D'ailleurs, si vous allez en Slovénie, vous devez absolument vous arrêter à Bled. Il s'agit d'une église, située au milieu d'un lac, d'un bleu azur, c'était magnifique. On a fait 1 heure de stop pour arriver dans le plus beau des panoramas. La nature était belle, les oiseaux chantaient, l'occasion parfaite de s'asseoir et de prendre un bon gros selfie de touriste. Mais le dieu du voyage n'a pas tardé à nous punir de cet affront. En effet, il est l'heure de prendre le train pour Budapest, et ce dernier est bondé. Entassé entre festivaliers à moitié défoncés et travailleurs costard-cravate, nous faisons 4 heures de panne au milieu de la Roumanie. Nous en profitons pour faire un petit coup de pub en rencontrant des Anglais, des Espagnols, des Allemands, à qui nous vendons un peu notre concert. Nous voilà arrivés à Budapest. Nous prenons un jour avec Etelka, notre couchsurfeuse de 50 ans, pour visiter la ville. Elle nous montrera de son œil de guide avisé tous les petits détails de la ville et j'ai adoré Budapest grâce à elle. D'ailleurs, elle nous traînera dans les bars jusqu'au petit matin, alors qu'elle travaillait le lendemain, je n'arrive même pas à suivre le rythme. On arrive enfin devant le pont du Sziget. Pour ceux qui y sont déjà allés, je pense que ça doit rappeler des souvenirs. Nous troquons nos invitations contre des bracelets artistes et puis nous franchissons la frontière vers l'île de la liberté. À ce moment-là, tout est possible, nous faisons des activités toute la journée, le lundi, sol élastique, le mardi, feu d'artifice, le mercredi, peine dans les termes. Et ça ne s'arrête plus, nous voguons de concert en concert jusqu'à, bien évidemment, notre concert. Nous arrivons 1 heure en avance pour s'imprégner de l'ambiance. Sur place, un groupe est en train de jouer et ils sont bien plus au point que nous. Malheureusement, la scène est un grand feu de camp et les gens sont plutôt là pour se réchauffer et écoutent à peine la musique. À ce moment-là, je regarde mes amis et je me dis,
bordel, qu'est-ce que je fous là? Et l'occasion est parfaite pour le technicien de me dire, hey, les gars, c'est à vous. Je monte sur scène. Les gravures sur ma guitare semblent me donner un peu plus de force. Bon, pour ceux qui se demandent, la photo derrière, c'est un montage. En réalité, il y avait environ 150 personnes, je sais plus trop. Mais au moment où je leur demande de se lever, je reconnais le groupe d'anglais, le groupe d'allemand, le groupe de français rencontré dans le train de la galère se lever. Nous chantons et dansons sur un Hit the Road Jack d'anthologie, symbole de notre voyage sans retour. Voyage terminé, il a fallu faire un bilan. Et je me suis rendu compte qu'au-delà des villes, au-delà des emmerdes, ce sont en fait les rencontres qui ont forgé ce voyage. Et j'aimerais remercier toutes les personnes qui offrent à des voyageurs ordinaires des voyages extraordinaires. Je suis rentré chez moi, des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête. Je n'avais qu'une envie, repartir à l'aventure. D'ailleurs, vous vous demandez peut-être ce qu'est devenu la guitare. Nous l'avons offert à Amélie, une amie avec qui nous voyageons aujourd'hui. La photo que vous avez derrière moi, c'est celle de mon anniversaire, où je suis parti les yeux bandés et un masque sur les yeux vers un avion direction l'inconnu. Mais ça, c'est une autre histoire. Merci beaucoup.